va traiter l'improvisation. Alors, en présentation, on peut voir ça comme une technique, mais surtout, faut la mettre au service de la musique, de la mélodie. Donc, on va essayer de développer un discours. Faut vraiment que vous montriez ce que vous avez à dire. Donc, on va le voir à l'aide d'une grille d'accords, là, en tonalité de sol, qui sont la mineur, ré et sol. C'est dans la musique une cadence de 2/5. Donc, regardez bien la vidéo et puis après, on expliquera tout ça. Allez, c'est parti pour la grille d'accords. Donc cette grille d'accords elle va pas changer sur les trois parties qu'il y a. Donc je rappelle 2/5 en tonalité de sol. On commence par le la mineur, le ré et le sol. Je parle des accords, hein. Donc la partie 1, ce sont des arpèges d'accords pour le la mineur, pour le ré majeur et pour le sol. Chaque partie sera coupée par un pont avec un accord de ré et un accord de sol. Sur la deuxième partie, on va commencer à apporter une petite mélodie. On est toujours dans la rythmique, hein. Donc on part sur un la mineur. Ok. Un ré majeur et un sol majeur. Le pont. Alors, la troisième partie, alors on joue des accords en fait. Et on finit par le ré. Donc sur la partie en accord, sur la troisième partie, vous ferez attention, vous verrez sur la tablature, c'est une noire et des doubles croches, donc 1, 2, 3, 4 et une blanche. Pareil pour le ré, 1, 2, 3, 4, une blanche et pareil pour le sol. Voilà, donc ça c'est la première partie, donc ça sera notre grille de base. Et vous verrez par la suite, on apportera comme je vous disais en présentation, on peut le voir comme une technique au service de la mélodie. Vous allez voir, on va commencer à s'en rapprocher sur la prochaine vidéo. Allez, salut!